par Marcel Picot. Malheureusement, le réalisme était niçois. Pour la première fois de la saison, l'AS Nancy-Lorraine a perdu sur son terrain face à une équipe niçoise sur la défensive qui s'est accrochée par tous les moyens à son but d'avance. C'est vers la fin de la première mi-temps, à la 35e minute de jeu, que les Nancéens ont encaissé le seul but de la soirée. Un contre niçois suffit à Nagbe, le numéro 10 de l'OGC de Nice, à ouvrir le score malgré un retour héroïque de Rabé Sanratana. Score à la mi-temps 0-1. Dès lors, les Nancéens font le forcing. Dans la seconde mi-temps, ils relancent la mécanique, mais ils se heurtent à une véritable forteresse qu'ils ne parviennent pas à contourner. Maladresse, malchance, la réussite n'a pas été hier soir dans le camp de la SNL. Les Nancéens faillirent égaliser à plusieurs reprises. Au tout début de la seconde mi-temps, à la 47e minute de jeu, Vérel réussit à s'échapper de la meute. Zavarov récupère le ballon, pivote et l'envoie sur le poteau. L'équipe niçoise, quant à elle, a joué sur la défensive pendant toute la seconde mi-temps. Une jambe, un dos suffisaient la plupart du temps à repousser les assauts des Nancéens, forçant la SNL à dominer le jeu en vain. Cette défaite, plutôt amère pour Nancy, rétrograde la SNL de la seconde à la troisième place dans le classement général, ex aequo avec Nice qui gagne deux places. Olivier Rouillet,